un Dieu merveilleux, Papa. Seigneur, ta parole déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surgi. Merci pour la grâce dans laquelle nous vivons actuellement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu pour nous une grâce, Seigneur. Cette faveur imméritée, Seigneur, qui nous permet de nous tenir debout, qui nous permet, Seigneur, d'avoir l'assurance que lorsque nous venons vers toi, lorsque nous nous repentons, Seigneur, tu écoutes, Seigneur, tu pardonnes. Merci pour cette grâce que tu as pourvue à la France. Que ton nom soit béni.
Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné dans les cieux et sur la terre, qu'il soit plus élevé que le nom de Jésus. Acclamons-le. Surabonder, c'est par sa grâce que nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est par sa grâce que nous sommes ici. Après toute la semaine, après ce que nous avons pu traverser durant la semaine, si nous rentrons ici encore pour le louer, c'est déjà en soi une victoire. C'est déjà en soi une victoire. Et juste pour cela, nous pouvons nous réjouir dans sa présence. Sans accusation ni pensée de condamnation, parce que sa grâce nous a encore apporté ici. Et dans sa maison, il y a de la joie, de la paix, de la restauration, il y a de la délivrance. Alléluia, Jésus, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à tous, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel.
Nous sommes contents que vous soyez avec nous encore ce dimanche, j'allais dire matin, mais après-midi. On va aller dans la parole du Seigneur, dans Jean 8. Dans Jean 8, le verset 31, verset 33. Voilà, c'est parfait ça. Merci. On va lire la parole de Dieu et puis on va prier. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes maintenant mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Sœur Yann, est-ce que tu peux prier pour nous pour le prédication ? Merci Seigneur pour cette opportunité d'être en ta présence encore avec les autres croyants. Nous demandons que Dieu, ta parole aujourd'hui et de ton serviteur, peut parler librement alors que ton esprit illumine ses pensées et ouvre nos cœurs à recevoir ta parole aujourd'hui et faire en sorte que ça nous transforme cette semaine dans notre quotidien. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce chapitre, dans tout le livre de Jean 8, Jésus enseignait au peuple dans le temple. Il s'était rendu là-bas de bon matin. Et pendant son enseignement, il a reçu beaucoup d'opposition de la part des pharisiens et des scribes. Et il y a eu l'épisode de la femme adultère qu'ils ont approché de lui, qu'ils ont trouvé en plein délit d'adultère. Et ils ont avancé que Moïse dit ceci dans la loi, « Toi, que dis-tu ?» Donc il y avait beaucoup d'opposition. Son enseignement, sa parole, son identité étaient directement critiqués par les pharisiens et les scribes, qui l'accusaient même d'avoir un démon et d'être un samaritain. Donc durant ce chapitre, on voit une discussion qui prend place entre lui et les juifs. C'est parole contre parole, c'est idée contre idée, c'est pensée contre pensée, c'est vérité contre mensonge. Et dans ce contexte d'opposition des idées, il y a certains juifs qui ont cru. Okay? Et ces juifs qui ont cru, Jésus veut poser une base essentielle dans leur vie. Et il leur dit, ce qu'on vient de lire, si on relit à partir du verset 31, il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, il pose cette base essentielle dans leur vie. « Oui, vous avez cru en moi, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend que vous demeurez dans ma parole, ça prend l'obéissance. » À ma parole, ça prend que vous restez ferme, peu importe le lieu, le moment, dans cette parole pour être appelé mes disciples. Ce n'est pas tous ceux qui me suivent qui sont mes disciples, mais c'est ceux qui font ce que le Père a ordonné, ce que ma parole dit, c'est ceux-là qui sont mes disciples. Donc, il pose cette base essentielle en même temps. Et là, une question se pose. Pourquoi il prend la peine de poser cette base essentielle? En quelque sorte, c'est comme une mise en garde. Et le contexte, ils étaient dans un environnement où il y avait beaucoup d'échanges de pensées, beaucoup de contradictions et beaucoup d'oppositions. Et Jésus les met en garde en même temps. Jésus connaissait la tendance de l'homme à s'accrocher à ses traditions. N'oublions pas que ce sont des juifs. Jésus connaissait la tendance de l'homme à s'accrocher à ses traditions. Là, je me perds dans mon texte. À s'accrocher à ses traditions, à ses façons de concevoir sa vie, à ses façons de concevoir les autres. Et
Ils savaient que ces juifs-là avaient des façons d'aborder leur vie. Ils avaient une certaine connaissance de Dieu. Et ils peuvent arriver facilement à ce piège où ils se retrouvent dans un état de contentement de leur connaissance de Dieu. Cet état où ils sont en confort dans leur tradition et dans leur façon de faire. Alors Jésus prend le temps de poser la base. Il est là pour une nouvelle chose. Il est là pour une dimension nouvelle. Il est là pour une alliance nouvelle. Donc ça prend que oui, que vous ne vous focalisez pas sur ce que vous avez déjà, mais que vous relâchez ce que vous avez déjà avec les yeux sur moi pour que je dépose en vous des nouvelles choses. Ça prend cela. Nous ne pouvons pas arriver à cet endroit ou à cet état où nous nous satisfaisons de là où nous sommes ou de ce que nous avons déjà, car il y a toujours plus. J'ai la même sonnerie. Non, c'est pourquoi il prend le temps d'asseoir cette base essentielle. Ne pas arriver dans cette zone de confort. Ne pas rester dans cette zone de confort. Pour le suivre, il faut qu'on accepte de temps en temps d'être dans des zones d'inconfort. C'était pas prévu ça. Donc il connaissait la tendance de l'homme à s'accrocher à ses traditions, à son confort. Et d'une certaine façon, il voulait attirer leur attention à demeurer dans sa parole. Ne vous laissez pas égarer par des paroles d'incompréhension et de confusion. Ne vous laissez pas égarer par des paroles d'incompréhension et de confusion. Dans ce qu'il reprochait, quand tu continues le chapitre, ce qu'il reprochait aux Juifs, c'était leur incompréhension de son identité. Et dans cette incompréhension, il y avait beaucoup de paroles qui sortaient. Et ceux qui ont cru, qui sont dans cet environnement-là, il les avertissait. Restez dans ma parole. Si vous n'y restez pas, vous risquez de suivre des paroles de confusion et d'incompréhension. Et vous risquez de sortir de mes voies. Restez dans ma parole. Nous vivons dans un monde de paroles. Nous vivons dans un monde de paroles. Et comment est-ce que ça s'applique à nos vies aujourd'hui? Tout comme ces Juifs qui ont cru, nos vies, nos personnalités, nos mentalités, nos habitudes ont été et seront aiguisées par des paroles. Nous avons tous grandi dans des environnements où il y a de bonnes paroles qui ont été dites, qui nous ont construits, qui ont fait de nous l'homme que nous sommes aujourd'hui. Mais aussi, il y a eu de mauvaises paroles aussi, qui nous ont blessés. Des mensonges qui ont déposé des forteresses, des façons de faire en nous et qui déterminent jusqu'à aujourd'hui certaines façons, certaines actions ou certains domaines de nos vies. Nous vivons dans un monde de paroles. Il y a plusieurs études qui existent. Je suivais la conférence générale la dernière fois où il y avait un séminaire sur comment est-ce que l'environnement dans lequel l'enfant grandit peut impacter, le rendre plus susceptible à l'anxiété, à la dépression, à l'insécurité, au manque de confiance en soi. C'est des choses que la psychologie sait, c'est des choses que la science sait, et c'est des choses que la Bible dit aussi. De toute façon, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc par nos paroles, nous pouvons édifier, construire, déposer des choses à bonne dans la vie des gens qui nous entourent, mais par nos paroles, nous pouvons les détruire aussi. Et ça devient encore plus vrai lorsque les gens sont proches de nous. Une personne qui est loin de moi, qui dit quelque chose dans ma vie, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui est proche, ma femme ou ma mère, qui dit la même chose. La réaction est différente, la sensibilité est différente. Pourquoi? Parce que nous sommes engagés dans une relation. Et c'est ça le truc. Dieu nous appelle à développer des relations. Mais quand nous développons des relations, nous mettons nos confiances
dans les gens. Et ces personnes sont susceptibles de nous blesser. Mais quand ça arrive, nous devons retourner dans la présence de Dieu pour aller ôter ces blessures et ces guérisons pour qu'il les guérisse tout simplement. Pour qu'il les guérisse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour être efficient et être efficace, pour vivre pleinement la relation au sens de Jésus-Christ, nous devons être remplis de lui. Parce qu'une fois que nous sommes remplis de lui, de sa parole, il devient difficile à une parole mensongère ou blessante de nous atteindre. Je vais vite trop en besogne. Le message est fini. Ok. Des blessures. Bon, donc, c'est la vie. Nous avons tous eu des blessures, des paroles qui ont causé des forteresses, des blessures, des mensonges. Et certains de ces blessures jusqu'à présent créent encore des liens, des fardeaux, des mensonges qui sont dans nos vies. Ces choses encore pèsent aujourd'hui dans certains domaines de nos vies. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut nous rendre susceptibles à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose du point de vue, parce qu'on se place du point de vue des Juifs qui ont cru. Mais du point de vue de Jésus aussi, nous pouvons arriver à cet endroit dans nos vies où nous recevons beaucoup d'opposition. L'opposition peut être externe dans nos travails, avec nos collègues, dans notre famille. Et des fois, c'est dû à l'esprit de vérité qui est en nous, le Saint-Esprit. Amen. Qui a cette opposition-là. Ou d'autres fois, c'est l'opposition dans nos pensées entre la vérité et le mensonge. Ça, c'est spécifiquement à nous, ce n'est pas le cas de Jésus. Ça. Mais il y a ces deux cas. Mais dans ces deux cas, lorsque nous, que ce soit les blessures, les mensonges du passé qui déterminent des blessures aujourd'hui, ou des mensonges d'aujourd'hui qui déterminent des actions, dans les deux cas, lorsque nous marchons dans ces mensonges-là, nous produisons des fruits du mensonge, finalement. Et les fruits du mensonge, c'est la colère, c'est l'impudicité, c'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est tout ce qu'on connaît qui va tout finalement mal dans ce monde. Parce que dès le début, la corruption est entrée par le père du mensonge dans ce monde. Mais Dieu nous appelle. C'est pourquoi il dit la connaissance de la vérité. Vous restez dans ma parole, vous arriverez à la connaissance de la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous rend libres de tous les mensonges passés, présents ou futurs qui peuvent être déposés et provoquer des choses en nous qui ne le glorifient pas. Jésus promet la liberté. Et ça, c'est éventuellement le titre de... Je l'ai trouvé, chérie. Non, c'est le titre de du partage. Dieu a la connaissance qu'on a de lui pour nous rendre libres. Il faut connaître la vérité pour que la vérité nous rende libres. Je vais m'attarder ici un peu. Cette liberté commence lorsqu'on se répand. On se répand. On s'immerge dans l'eau du baptême au nom de Jésus-Christ et qui nous donne le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et la Bible dit ceci, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc lorsque nous rentrons, nous obéissons à l'Évangile et nous marchons dans les étapes de l'Évangile, nous avons accès à l'Esprit de liberté. Mais l'accès à l'Esprit de liberté ne nous donne pas forcément, ne nous permet, n'est pas suffisant. À y avoir accès ne veut pas dire qu'on en profite. On peut y avoir accès, mais ne pas en profiter. Et l'histoire qui l'illustre très bien, c'est l'histoire du grand frère, du fils aîné, du fils prodigue. Parce qu'on va dans Luc 15. Luc 15.
On va lire à partir du verset 25. Le 15, verset 25. Mais avant de le lire, je vais mettre un peu en contexte l'histoire du fils prodigue. En fait, c'est l'histoire de, c'est une parabole donnée par Jésus qui illustre un enfant qui a réclamé son héritage à son père et qui s'en va, qui le dilapide, qui se retrouve dans une situation misérable et finalement qui revient vers son père pour être son serviteur. Et le père qui le voit de loin, rempli de compassion, court vers lui, le rétablit en quelque sorte dans la famille. Et là maintenant, voit la réaction de son grand frère. Okay. La réaction, « Or le fils aîné, verset 25, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il n'a et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et regardez la réponse du père au verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Il était dans la maison de son père. Il n'était pas celui qui a fauté, qui est sorti. Il est dans la maison de son père. Mais il n'avait pas conscience des libertés, des privilèges qu'il avait en étant dans la maison de son père. Et parce qu'il n'en avait pas conscience, il ne pouvait pas en profiter. Nous pouvons y avoir accès. Lorsqu'on est d'eau et d'esprit, on rentre dans une famille, la famille de Dieu, la maison de Dieu, avec beaucoup de privilèges. Mais lorsqu'on ne prend pas conscience des privilèges, nous ne pouvons pas en profiter. Nous ne pouvons pas vivre cette vie abondante que Dieu nous promet. Parce que des fois, nous nous limitons nous-mêmes. Et pour prendre conscience de ces privilèges, il faut connaître son Dieu. Il faut connaître ici ce qui lui manquait, c'est la connaissance de son Père. Une relation avec son Père. Une relation avec son Père pour jouir des privilèges que lui donnait le fait de rester dans la maison. Dieu sait, lorsque nous rentrons dans le royaume, tous les mensonges et toutes les blessures, les forteresses avec lesquelles nous rentrons, il les connaît. Et dès qu'il nous accepte, dès qu'on accepte son salut, sa grâce dans nos vies, dans l'obéissance, il y a une œuvre de transformation, de guérison et de restauration qui commence. Amen. Ça commence. La Bible dit ceci, Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui dit, j'ai été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dès qu'on est, on est créé en Jésus-Christ. Il a déjà formé des plans, même avant la naissance, avant qu'on ne soit formé dans le monde de notre mère, il a déjà formé des plans de bonnes œuvres pour nous. Mais là, il commence par un à un, enlever ce qui peut être un empêchement dans nos cœurs pour fonctionner pleinement dans ces bonnes œuvres-là. Et c'est tout un travail qui commence. Mais voici ce qu'il nous demande en retour. Ce qu'il nous demande en retour, c'est de rester dans sa parole.
Notre contribution est de demeurer dans sa parole. Il commence l'œuvre, mais nous avons une responsabilité aussi à jouer. Et notre contribution, c'est de demeurer dans sa parole, afin qu'on puisse arriver à la connaissance de la vérité. Et que cette vérité mette en lumière les mensonges, afin d'être délivré, guéri et restauré. Je vais le redire. Ce qu'il nous demande, c'est de demeurer dans sa parole, afin qu'on puisse arriver à la connaissance de la vérité et que cette vérité mette en lumière les mensonges, afin d'en être délivré, guéri et restauré. La guérison de notre cœur prend place lorsqu'on réalise son état devant Dieu et qu'on le lui donne. C'est là où la guérison prend place. Pourquoi réaliser l'état de notre cœur avant la guérison? Connaître la vérité avant d'être affranchi. Une guérison qui est pérenne, que ce soit dans le monde médical. Une guérison qui est pérenne prend place lorsque le patient réalise sa maladie, les causes de sa maladie, les conséquences de sa maladie et les soigne. Le fait de réaliser ce qui a causé la conséquence et sa maladie fait que demain, il n'est plus susceptible de poser des actions qui vont le ramener dans l'état malade dans lequel il est sorti. Donc, quand Dieu nous demande, vous connaîtrez demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que l'œuvre de conviction, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de conviction dans nos vies. Okay. Le Saint-Esprit, plus nous allons grandir, va travailler dans nos cœurs pour remonter certaines choses qu'il veut changer. Et quand cette œuvre de conviction monte, elle monte avec un mensonge et il vient avec sa vérité. C'est bon. Il vient avec le mensonge. En fait, il fait sortir le mensonge et il vient avec la vérité. Et quand il vient avec la vérité, nous avons la responsabilité d'accepter cette œuvre de conviction et d'accepter que sa vérité coule. Et l'acceptance, l'acceptation de la connaissance de sa vérité fait que lui maintenant, il peut nous affranchir. On va illustrer ça. Lorsqu'on est rentré dans le royaume, il y avait une œuvre de conviction qui venait, que ce soit par rapport à notre état, ou comment nous étions, une œuvre de conviction qui monte, qui nous pousse à la repentance. Et parce qu'on accepte cette repentance-là et qu'on obéit, nous rentrons dans la grâce de Dieu pour être sauvés. Et c'est la même chose, ce n'est pas juste pendant l'obéissance à l'évangile que ça se produit dans tout le parcours de notre vie chrétienne. Et le Seigneur va monter des choses dans nos cœurs, des fois, qu'il va vouloir changer. Et on doit l'accepter et obéir pour que la transformation prenne place et soit efficace. La profondeur de notre transformation dépend de la profondeur de la connaissance de la vérité, la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce qui détermine la profondeur de notre transformation. Connaissance de Jésus-Christ. L'ignorance, non, avant d'arriver là-bas. La connaissance de Christ dans les différents domaines de nos vies. Que ce soit la famille, que ce soit nos relations, nos services, à notre service à Dieu, notre relation avec Dieu, nos finances, dans plein de domaines de nos vies. Parce qu'il y a de l'ignorance, la nature a horreur du vide. Parce qu'il y a de l'ignorance de la vérité de Dieu, il y a le mensonge qui vient s'installer. Et dans plein de domaines de nos vies comme ça, avec ces mensonges installés, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. L'ignorance est l'un des plus grands ennemis de l'homme. Mais ce n'est pas toute ignorance qui est ennemie de l'homme. Osée 4, 6.
Claire? L'ignorance est le plus grand ennemi de l'homme. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, quand on dit, on parle de l'ignorance qui est le plus grand ennemi de l'homme. L'ignorance dont la Bible parle ici, c'est l'ignorance de la vérité, de la parole de Dieu. L'ignorance de la connaissance de son Dieu. Il y a certaines choses qu'il est bon pour nous d'ignorer. Mais nous ne pouvons pas dans tous les domaines. Dans tous les domaines de nos vies, nous devons savoir comment Jésus veut qu'on opère ou qu'on gère ce domaine de nos vies. Il faut qu'il y ait une vérité de Jésus-Christ qui gouverne tous les domaines de nos vies. Amen. Si ce n'est pas le cas, la nature a horreur du vide, ce sera le mensonge qui va venir s'installer et qui va déterminer la façon dont nous gérons ce domaine de nos vies. Et ça va nous voler. Et ça nous vole, au fait. Quand le mensonge s'installe et qu'on fonctionne dans ce mensonge, ça nous vole. Parce que l'ennemi a un seul objectif, nous détruire, nous égorger et nous voler. Mais Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Amen. Et pour avoir cette vie en abondance dans tous les domaines, il faut fonctionner dans Jésus-Christ, dans la vérité de Jésus-Christ, dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans mes finances, qu'est-ce que la parole dit dans mes finances? Dans la façon dont je gère mes relations avec ma famille, qu'est-ce que Jésus-Christ dit de cette relation? Il faut que sa vérité soit établie dans tous les pans de notre vie. L'ignorance de la vérité fait que le mensonge s'installe dans les domaines de nos vies. Il ne doit pas être, il nous vole. Il nous vole notre joie. Il nous vole notre paix. Il torpille notre destinée. Il nous vole notre joie. Il nous vole notre paix. Et tout à l'heure, on a parlé des mensonges, des blessures, des blessures qui provenaient de mensonges, des forteresses qui provenaient de mensonges du passé. Et quand nous fonctionnons dans ces choses, toujours, il nous les vole. Il vaut notre paix, notre joie. Ou des fois, c'est des mensonges actuellement qui viennent par rapport à une situation, à une opposition. Et lorsque nous fonctionnons aussi dans ces mensonges, dans le présent, ils nous volent. Mais dans tous les cas, Jésus promet la liberté. Amen. Jésus promet la liberté. Amen. Et on a un sens de sa liberté lorsqu'on est rempli de sa joie et de la paix dans les pensées. Amen. Et c'est ça ce qu'il promet. S'il y a un endroit dans nos vies où il y a encore de toutes ces choses, l'inquiétude, l'amertume, la frustration, c'est qu'il y a une vérité, une connaissance de Jésus-Christ que nous devons aller chercher dans ce domaine spécifiquement. Et il y a une guérison de notre cœur qui doit prendre place dans ce domaine spécifiquement. Dans ce domaine spécifiquement. Ce qu'il a commencé, il est capable de le finir. C'est pourquoi nous devons demeurer en sa parole, en lui. En lui. Bon. Ephésiens 6, le verset 14. Paul, lorsqu'il nous donne les armes spirituelles, nous parle en premier lieu de la ceinture de la vérité. Pardon. Et il dit,
Tenez donc ferme, ayant avouant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et quand tu prends la ceinture dans l'équipement militaire romain, ça a beaucoup d'importance parce que la ceinture servait de support pour sa tunique, afin que sa marche ne soit pas dérangée. Donc son habit, la ceinture venait servir de support. La ceinture servait de support pour son épée et son poignard. Et la ceinture servait aussi de support pour son dos, pour solidifier son dos, donc fortifier son dos, pour la bourse aussi et pour son armure. Et dans ce que je viens de citer, Éphésiens 6 nous dit par exemple que l'épée, c'est la parole de Dieu. L'armure, c'est la justice de Dieu. Sa bourse et sa provision, par exemple. Là où je veux en venir, c'est que Paul, c'est pas anodin que Paul attribue la vérité à cet élément qui semble très fin, qui semble, quand tu vois le soldat, c'est pas le premier élément qui ressort, mais c'est l'élément qui solidifie tous les autres composants clés, son armure et son épée, sa bourse, et qui lui permet de marcher facilement. Nous devons avoir la vérité comme ceinture pour triompher dans Amen. Tous les domaines de nos vies. Amen. La vérité vient rendre efficace la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Je peux être ici, prêcher la parole de Dieu en soi, elle est vérité, elle est efficace. Je peux la prêcher, mais s'il y a un mensonge dans mon cœur où il y a une forteresse qui demeure et que je ne laisse pas cette parole pénétrer, moi-même qui la prêche, cette parole n'est pas efficace dans ma vie. Et si cette parole ne trouve pas un cœur qui a soif de vérité, elle n'est pas efficace dans sa vie. La parole de Dieu devient efficace dans notre vie lorsque nous grandissons et nous acceptons la connaissance de la vérité. Et c'est là où la vérité nous a franchis et nous rend libres. La vérité aussi aligne, la connaissance de la vérité, aligne notre marche chrétienne et nous évite surtout de sortir des voies de Dieu. La ceinture, c'est ça, quand le soldat marchait, ça lui évitait de venir faire des pauses au fait pour se réajuster, parce que tout était solidifié. Donc ça évite la connaissance de la vérité, en guillemets, évite des pertes de temps dans notre marche chrétienne. Ça évite des pertes de temps. Ça évite qu'aujourd'hui on soit droit, que demain on sorte. Qu'aujourd'hui on soit droit, que demain on sorte. Parce que ça permet une certaine constance dans la marche chrétienne. La connaissance de la vérité. Et ça, c'est avec la maturité. C'est avec la maturité que ça arrive, ça. N'oublions pas, nous grandissons dans la connaissance de la vérité. Et ce qui nous permet de grandir dans cette connaissance, c'est notre faim et soif, notre désir de grandir là-dedans. Et d'obéir à cette vérité. Merci. Je suis rempli d'eau vive maintenant. Ça va couler. J'en étais déjà. La connaissance de la connaissance du monde. Merci. Elle suit. Donc la connaissance de la vérité aligne notre marche chrétienne et évite qu'on ait des pertes de temps. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle évite des événements cycliques dans nos vies et permet une constance dans la marche chrétienne. Mais là où je voulais en venir, c'est que ce n'est pas
pour juger. Parce que nous grandissons dans cette connaissance-là. Nous grandissons dans cette liberté. Nous avons accès à cette liberté, mais nous grandissons là-dedans. Et plus nous grandissons là-dedans, plus nous sommes dépouillés des œuvres de la chair et nous marchons dans les œuvres de l'esprit, les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous, amen, afin que nous les pratiquions. Amen. Mais on grandit là-dedans. On grandit. Et notre détermination, nous ne devons pas accepter de la condamnation ou de l'accusation. Notre détermination doit être de grandir dans cette liberté de Jésus-Christ. Il nous a affranchis du péché. Celui que le Fils affranchit est réellement affranchi. Dans notre, et dans, quand il nous voit, nous sommes affranchis. Mais à nous d'être déterminés pour marcher dans cette liberté-là. À nous. Et ça prend qu'on soit ferme. On demeure dans sa parole, en lui, pour qu'il fasse, lui, l'œuvre qu'il a à faire. Amen. La connaissance de la vérité rend ferme et efficace et pérenne, vivant la parole de Dieu dans nos vies. Elle nous fortifie aussi. La ceinture fortifiait son dos. Il pouvait marcher. Et la ceinture permettait qu'il ait la bonne posture, pour que la marche ne le fatigue pas. Parce qu'il pouvait marcher des kilomètres. S'il marche avec tout le poids qu'il a, s'il marche comme ça, à la longue, il aura mal au dos. Donc la vérité nous rend droit dans notre marche. C'est pourquoi elle est directement liée à la justice de Dieu. Parce qu'elle fortifie notre marche. Elle fait que notre marche est pérenne, mais elle fait que notre marche est droite. Et en elle aussi, nous trouvons notre provision. Dans la connaissance de la vérité. Notre provision de paix, de joie, d'amour. Tout ça. Là, je vais conclure. Le summum du partage, c'est vraiment de permettre à Dieu de guérir nos cœurs. Et comment ça se fait? On a compris qu'il y a des blessures du passé qui peuvent être là. Des blessures, des mensonges qui peuvent être aussi déposés actuellement et demain. Comment ça se fait? C'est de ne pas accepter ces choses-là, mais de chercher, de demeurer dans sa parole. En fait, sa parole remonte ces choses. Des fois, nous n'avons même pas conscience de cela. Nous voyons des actions que nous posons, des réactions que nous avons, des choses que nous faisons, mais nous n'avons pas conscience de la source de ces choses-là. Nous n'avons pas conscience. Et quand tu vas voir le psychologue, souvent ce qu'il va faire, il va essayer de retourner dans ton passé ou dans ton environnement immédiat pour voir c'est quoi ton type d'interaction. Parce qu'il a conscience que l'être humain est fait pour interagir. L'être humain est un être émotionnel. Et dû à ces interactions, il peut accumuler, garder beaucoup de choses qui peuvent détruire son état mental et agir sur son état physique. Donc, lorsque nous grandissons dans sa présence, il va remonter ces choses-là. Il va les remonter. Et c'est ça l'œuvre de conviction qu'il fait. Donc quand il les remonte, notre part est de le laisser faire son œuvre et de ne pas lutter, à rester dans le même état. C'est ça notre responsabilité. Et ça guérit nos cœurs. Ça guérit nos cœurs. Ça nous rend aptes à son œuvre, mais ça rend aussi aptes à témoigner à d'autres. Viens voir ce qu'il a fait pour moi. Voici dans les liens dans lesquels j'étais. Mais Jésus-Christ m'a guéri, m'a délivré. Et il peut le faire pour toi aussi. Et il y a un ministère qui coule au travers de nous dans la vie des autres. Si nous voulons entrer dans la profondeur
Bon, si nous voulons être puissamment utilisés par Dieu, il faut qu'on soit puissamment transformés par Dieu. En son image. Parce qu'à la fin, il veut faire couler son image au travers de nous, dans la vie des autres. Et il peut avoir des bloquants qui bloquent ces choses-là. Son esprit de couler facilement. Parce que notre cœur et notre âme est meurtri par des choses. Mais Jésus promet la liberté. Amen. Jésus promet la délivrance. Amen. Jésus promet la guérison. Amen. Jésus promet la restauration. Amen. C'est un processus. Mais l'œuvre qu'il commence, il est capable de le terminer. Demeurons fermes dans sa parole. Et il le fera. Je vais nous inviter à on va que le Seigneur sonde nos cœurs et les connaisse. Il sait partout, là où je suis, là où vous êtes, il le sait. Il connaît les fardeaux, il connaît les blessures, il connaît les mensonges qui sont dans nos vies. Et je veux nous inviter à prier que sa vérité vienne dans les domaines de nos vies dans lesquels il veut travailler actuellement, monter ces mensonges-là. Et nous inviter à accepter sa vérité, son amour, sa joie, sa paix. Et à y obéir. Que l'ivraie qui est dans nos cœurs, qui le monte et qui l'enlève. Je veux nous encourager aussi à avoir une faim, une soif renouvelée de sa parole. Parce que c'est ce qui va nous garder et va nous conduire à plus de profondeur dans sa vérité. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père, pour ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi, Jésus. Père, Seigneur, guéris nos cœurs, sonde nos cœurs et connais l'Éternel. Nous avons guéri nos cœurs, Jésus. Guéris nos cœurs. Tu vois les domaines de nos vies, Seigneur, qui ne sont pas alignés sur ta parole, Éternel. Tu vois les domaines de ma vie qui ne sont pas alignés sur ta parole. Et je prie, Seigneur, pour une révélation de qui tu es dans ces domaines-là, Jésus. Je prie, Seigneur, pour une faim, une soif renouvelée de ta parole, de ta présence éternelle. Je prie, Seigneur, pour une croissance, Seigneur, dans la connaissance des choses de Dieu. Je prie, Seigneur, pour cette délivrance que tu promets. Pour cette restauration que tu promets au nom de Jésus. Je prie pour cette guérison, Seigneur, que tu promets éternel. Thank you.
Alléluia. 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 Alléluia.